Animal porteur de mythes et de légendes, le cheval possède un pouvoir d'attraction unique en son genre. Fascinant tant les artistes que les conquérants tout au long de l'histoire, le cheval, des plus charmants poneys jusqu'aux imposants percherons en passant par les adorables ânes, est aussi un ami naturel de l'enfant. Il fédère donc toute la famille et particulièrement dans l'Orne, tant y est vaste le choix des activités hippiques plaisant aux petits comme aux grands. Il se presse notamment à Mélisane qui fabrique des produits artisanaux au lait d'ânesse. On accueille les gens le mercredi après-midi pendant l'année du mois d'avril au mois d'octobre. Les gens viennent sur le pré, ils voient les ânes, ils caressent les ânes, ils touchent les ânes. Ils s'aperçoivent que l'âne est vraiment un animal très gentil, doux et sociable, à condition d'avoir été bien élevé. J'élève des ânes pour avoir du lait, donc chaque mère a un petit, c'est-à-dire qu'on a environ 5 naissances par an pour avoir du lait. Donc après, une ânesse va produire son lait. C'est un lait qui est très bon pour les peaux fragiles, sensibles, voire à tendance allergique. Le lait d'ânesse est transformé en savon et cosmétique au lait d'ânesse frais bio. La grâce et le raffinement ne sont pas que l'apanage des fiers destriers des rois et reines. La preuve avec un étonnant spectacle de chevaux lourds en pleine forêt d'Andenne, dans l'Orne. L'idée, c'est avant tout de préserver les chevaux de trait, de montrer que ces chevaux-là étaient capables d'autre chose et de surprendre avec un spectacle qui serait le contre-pied de tout ce qu'on pouvait attendre des chevaux de trait. C'est avant tout une aventure familiale, donc c'est la volonté de développer un territoire sur lequel on a vécu, sur lequel on a grandi, et un territoire qui vaut la peine d'être développé. En plus de la découverte et des spectacles, l'Orne présente une pratique nombreuse avec plus de 5000 licenciés du département à la Fédération française d'équitation. Les plus jeunes peuvent même profiter de séjours d'une semaine au cœur d'un club, une expérience pour les enfants inoubliable. Alors, ils font beaucoup de rencontres, et puis il y en a qui gardent des liens. C'est un lieu d'échange. Et puis, alors, ils sont marqués par le premier poney qu'ils ont monté. Ils se souviennent de tous les poneys. Ils ont des souvenirs très, très précis des moments qu'ils ont vécu ici. Il y en a, ça les a marqués. Dans leur vie professionnelle ou dans leur vie d'adulte, ils sont imprégnés de ça. Quand on les revoit, 10-15 ans après, ils sont en Sainte-Eugénie, c'est quelque chose. Ils nous ramènent leurs enfants.